Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Donc j'ai acheté des lentilles sur AliExpress et je vais les mettre en direct. Prions pour qu'il ne m'arrive rien parce que flemme. Voilà. Donc avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire. Ça me ferait super plaisir. Bon bah écoute, je te laisse avec la suite. Les filles, comme je sais qu'il y en a plein qui aimeraient avoir cette perruque, je vous mets le lien de là où je prends mes mèches. Parce qu'en fait, j'ai un Instagram où je vends des mèches. Et si vous voulez la même qualité de mèches, donc là, c'est des body wave, hein, des mèches bouclées. Hein. Donc ma perruque, franchement, je l'aime trop. Vous la voyez tout le temps, c'est la même, toujours la même. Je peux la laisser, je peux faire des boucles, laisse ronde. Donc je fais ce que je veux comme coupe. Voilà. C'est du 18 pouces. Voilà, donc je fais ma petite pub, hein. Si vous voulez des mèches pas chères, vous allez sur mon Instagram et voilà. De toute façon tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. Alors je tenais à vous dire déjà que j'ai déjà acheté des lentilles, enfin j'en ai déjà mis, mais c'était sur Amazon et genre j'étais en troisième. C'était des lentilles vraiment de la merde. J'avais dépensé presque 16 € pour des lentilles de merde. Est-ce que c'est la fin du monde? Donc du coup moi je me suis dit, mais attends, si j'aurais l'Express obligé, ils vendent des lentilles. Moi je recherche lentilles, je vois, ils vendent des lentilles à 3 €, 4 €, 5 €. Je fais non, vous avez me menti là. Genre en mode ils vendent des lentilles à 5 €. J'ai fait non, ça c'est mort. Je vais acheter, je vais faire un crash test sur ma chaîne. C'est sûr que ça va intéresser du monde quoi. Parce que imagine c'est une bête d'affaires et tout. Là ça y est, plus besoin d'acheter vos lentilles de couleur à 30 €, tu vois. Donc bref, j'ai commandé mes lentilles, je crois que c'était pendant le confinement. Donc ça devait être au mois de mars. Et je les ai reçues bah, aujourd'hui. En sachant que là on est le 2 juin je crois, le 3 juin je sais plus. Donc ça a quand même pris bah, presque 2 mois pour arriver, ça m'a saoulé. Mais bon après avec le coronavirus, tout ça, bah, logique, donc en soi ça va. Mais après j'ai pas pris la livraison rapide, donc au calme. Bref, donc j'ai pris la couleur gris. J'ai pris la couleur grise. C'était bien emballé avec papier bulle, tout ça. Et dans la boîte, du coup, il y avait ça. Donc, on dirait trop que je fais un placement de produit, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Donc, il y avait ça dans le colis avec ça. Ça, c'est doit être, tu sais, les trucs pour remettre tes lentilles. Alors, moi, j'ai fait grave la meuf dangereuse. J'ai commandé ça, mais il n'y avait pas de commentaire. Donc, chose que je ne fais jamais. Mais le prix m'a trop donné envie. Et puis, les meufs qui portaient les lentilles sur... le truc, ça me donnait grave envie du coup, voilà. Ah ok, bon bah, c'est comme ça du coup, mais quand tu ouvres la boîte, t'as une lentille par paquet, on va dire. J'ai grave peur, genre. J'ai archi peur. Bah écoute, qu'est-ce que j'attends? On va avancer un peu la caméra, donc vous allez voir mon gros facier. Focus. Voilà. Donc c'est du gris, mais j'aime bien le gris parce que ça fait un peu genre gris vert, t'as capté un peu le délire. Donc voilà, bon, je vais vous offrir. Je tiens à préciser, je me suis lavé les mains avant de toucher à quoi que ce soit, donc venez pas m'agresser. T'as lavé tes mains? Oui, j'ai lavé mes mains. Bon, je l'ai dans les mains. Attends, j'ai posé ça déjà. Mais qui m'a dit de mettre des fossiles? Qui m'a envoyé mettre des fossiles alors que j'allais mettre des lentilles? Eh les gars, il va falloir que je les mette en off. Désolée, là, je peux pas vous montrer comment je les mets, je vais pas y arriver. Du coup, ben, on se rejoint juste après que j'ai mis mes lentilles. Que dire? J'y arrive pas. Oh mon dieu, mais oh, Candice qui t'a envoyé te maquiller, vraiment. Ah, je m'énerve, wesh, je m'énerve toute seule.
Attendez, je recule la caméra parce que... Oh mon Dieu. En fait, c'était une mauvaise idée de me maquiller. Puis ensuite de mettre des lentilles. C'est trop désagréable. Je crois que je vais enlever la lentille. Au secours, au Seigneur. Purée de pommes de terre. Donc je pense que là je vais me démaquiller et ensuite je vais retester les lentilles parce que là de toute façon ça sert à rien, mon make-up il est niqué, genre j'ai pleuré comme une hein. C'est là terminé. Donc on se retrouve juste après que j'ai fait tout ça et on va retester ça une deuxième fois. Bon là les gars, je suis de retour, je viens de me démaquiller. Ça se voit. J'ai tout démaquillé là. J'ai tout enlevé. Et comme ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On masse doucement pour que toutes les bulles d'air, tout ça, tout puisse se mettre en place. Vous voyez, c'était le maquillage le problème parce que là, les lentilles, genre là, elles me font pas mal ou quoi, tu vois. Après, elles m'ont coûté genre 3,69€. Donc, je vais pas mentir, ça me brouille un peu la vue. Mais franchement, genre ça va. Woo, bitch! Just. C'était vraiment le make-up le problème. Donc, les filles, si j'ai un conseil à vous donner, ne mettez jamais vos lentilles après vous êtes maquillées. Donc si tu vois que t'as oublié de mettre tes lentilles alors que tu t'es déjà maquillée, soit tu te démaquilles, tu mets tes lentilles, après tu te remaquilles, soit tu te maquilles pas en fait. Et tu mets... t'as capté. Eh hey, mais les gens qui mettent des lentilles genre quotidiennement, mais comment vous faites? Comment? Dites-moi votre secret là. Moi en fait, attendez. On va un peu reculer la caméra parce que je suis un peu trop proche là. Donc là, j'ai genre les yeux littéralement fous rouges. Moi, ça va, ça, j'aime bien. Genre, franchement, ça fait archi naturel. En sachant que je les ai achetés à 3,69€, donc ça fait archi naturel. Juste, moi, je sais pas mettre de lentilles. Voilà pourquoi est-ce que j'ai autant galéré. Mais franchement, je trouve que franchement, pour des lentilles à 3,69€, oh, ça vaut trop la peine. Ça vaut grave la peine. J'aimerais dire j'adore mon honneur que Dieu. J'aime trop. Bon, je vais pas les mettre tous les jours, ça, si vous pouvez me croire. Parce que comment je galère déjà. Mais franchement, genre de près, vous voyez par vous-même. Hyper naturel, hein. Le lien, bien évidemment, des lentilles est en barre d'infos. Je pense que le prix a dû changer, hein, comme sur l'Express, les prix changent tout le temps. Il doit être, oula, il doit être toujours un truc du genre 3€ et quelques. Comme vous le savez, il prend environ un mois et demi à arriver, mais si vous prenez la livraison rapide, il arrivera plus rapidement. Là, j'ai les yeux tout rouges, laisse tomber, je me suis niqué les yeux. En fait, cet œil il va très bien, mais lui, il va pas bien, tu vois. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, le lien est en barre d'infos. Je ne suis pas en partenariat avec eux, c'est juste que je voulais vous partager un bon plan. Et si je devrais donner une note à ces lentilles, je donnerais un 7 sur 10. Parce que franchement, j'ai les yeux marrons, je suis noire, je suis de peau noire. Regardez. Regardez, voilà. Donc voilà. Je vous laisse. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ah